Bon bah aujourd'hui pose du lambris PVC au plafond. Par contre c'est vachement la merde parce que les agrafes ça déchire le PVC. Du coup bah je vais devoir continuer avec mes petites vis partout. Je pensais en mettre que des vis tous les 3 ou 4 tu vois. Mais en fait je vais devoir le faire à toutes les lames. Super. Je vais mettre mes petites vis comme ça. Je sais pas si je vais en coller une paire aussi ou pas. Peut-être que ce serait une bonne idée. Il y a de ça le gâchis. Ça déchire tout. Bon bah je sais pas si c'est moi qui est trop bon ou si c'était le hasard, mais en partant de là, en faisant ça, mon petit arrondi, là je mets un scotch pour au-dessus, et ben mon milieu arrive pile au milieu, si c'est pas beau ça, hein. Donc en faisant exprès de pas faire exprès, et ben celle-là. Le milieu de la plaque se retrouve pile au milieu du quart. Donc ce sera très bien pour passer mes câbles, puis accrocher mes petites lupiotes et tout ça quoi. Hein? Allez, je continue. Bon bah là, je viens de percer mes trous à la scie cloche pour pouvoir foutre mes petits spots LED qui sont en plus inclinables. Et voilà du coup ce que ça donne. So. Les incliner, c'est cool. Juste à raccorder ça là-dessus, et ça va être good. Enfin, théorie, hein. Oh bah, mon petit plafond il prend forme hein. Tout doucement. Enfin, doucement, c'est vite, hein. C'est pas trop mal. Hein. Il y a un trou. Ah, tout ce qu'il dit. C'est pas trop mal tout ça. Montrer dans ce sens-là, ça fait plus joli. Il faudra que je mette des petites finitions pour essayer de cacher ce raccord un peu de glace. Mettre une petite bande adhésive. Ça va le faire. J'avais oublié de mettre un renfort pour la hotte, et vu que je sais pas précisément elle sera installée au centimètre près, du coup j'ai foutu une plaque et pensez tout de suite avant de fermer avec le plafond. Hein. Bon bah je vais voir si ma petite découpe elle rentre bien dedans. Bon bah c'est pas mal ça. Ça a fait ce que je voulais. Petit raccord. J'espère juste que quand je vais arriver à cette lame là, bah ça sera pile en face de. J'espère que ce sera pile en face. Parce que sinon je vais être dans la merde. C'est good hein. Putain tu le crois ça. Alors l'autre coup j'avais oublié le renfort pour la hotte que j'ai mis du coup. Mais j'avais oublié celui pour la télé aussi. Hein. Parce que ça pèse un peu une télé, même si c'est pas très lourd. So, c'est costaud. Bon bah c'est pas pour me la péter hein, mais je crois que le go il est quand même pas mal. Hein. Ce madame là. J'avais peur qu'elle tombe pas pile en face de l'autre là-bas. Puis en fait, hein... Attends, je vais le mettre dans l'autre sens. Parce que celle-là, bah, elle s'arrêtait juste là. Et puis là-bas, bah, je devais trouver pile poil pareil. Puis en fait, c'est pas mal. C'est bien aligné. Enfin, je trouve que c'est bien aligné.
pour faire mieux. Hein. Et là, bah, je vais m'amuser pour cette découpe d'angle chelou en fermant le truc là. Je vais m'amuser une heure au moins. Après avoir fait deux essais sur mes cadres pour le lanterneau, ouais, parce que j'ai pas pensé à compter l'épaisseur, du coup je l'avais retiré. Puis après j'ai pas pensé à retirer aussi encore l'épaisseur de l'autre côté. Donc j'ai fait ça. Du coup j'ai mon petit cadre pour le lanterneau. En plus c'est pile poil. Et là c'est pile poil. Enfin pile poil. J'ai quand même un tout petit peu de millimètre de jeu, donc c'est très très bien. Je viens de finir le contour avec la découpe bizarre du lanterneau. Je trouve que ça fait pas mal. Bon, il y aura toujours hein, les petites bandes de finition à faire. Mais on va dire que dans l'ensemble, ça fait pas trop mal. Ouais, c'est bien. Coucou. Bon, puis là, je viens de mettre un petit joint 6K, comme ça. Je suis sûr que ça bouge pas. Ça fait une heure que je cherche ces putains d'agrafes pour mettre la finition du lanterneau. J'ai retourné tout le quart, j'ai rangé, j'ai tout retourné. Tu sais où elles sont? En fait, je suis trop prévoyant, quoi. Ça m'énerve. Bon, bah, il est 20h30 et je commence à plus rien voir dans le cas. Enfin, la caméra, t'as l'impression qu'il fait jour, mais moi, je vois plus grand-chose. Je viens de finir ma finition. Montrer dans ce sens-là. Hop. C'est good, ça marche. Là, j'ai laissé les trous pour l'instant. Pour notre lit future lit suspendu. Puis là bah, j'ai plus que là à finir et le petit bout devant et ce sera impeccable. C'est pas mal. Ça y est, ça y est. Je viens de finir enfin tout le plafond. Avec tous les câbles, tous les lecs, tous les lanterneaux, la clim, les machins, partout. J'ai juste, je vais te montrer, laissé ouvert là-bas. Comme je me disais tout à l'heure, bah, voilà, j'ai laissé les trous pour qu'on puisse avoir accès à la structure pour accrocher notre lit suspendu. Ici, je mettrai une trappe pour avoir accès bah, à tout ça. Hein. Et pareil, ici, je mettrai une petite trappe. Bah pour le système pneumatique de la porte. Et bah il n'y a plus que les petites finitions à mettre en joint là. Juste mettre des joints partout. Chut. Puis ce sera pas mal. Hein. Là je vais voir pour bah, accrocher toutes les lumières. Ouais, je vais faire ça. Et après il faudra que je m'occupe du sol. Ouh, pas de ménage à faire là-dedans. Essayer de s'occuper du sol, par contre avant, bah faut vider tout le quart et puis tout bien nettoyer partout. Donc je vais m'amuser à tout nettoyer. Parce que c'est le bordel là-dedans, chef. Il faudra que je commence aussi les cloisons pour le tableau. Pour le tableau et puis les toilettes. Je vais voir ça, je vais voir ça. Voilà. Tout propre, tout bien rangé. On met sous les sièges. Impeccable. Là, ça me donne envie de travailler. Ouais, parce que j'aime pas travailler dans le sale. C'est son principe. Je viens d'installer deux petits spots LED. Ben, en branchant, je trouve que ça pète les yeux.
Ça fait de la grosse lumière. Au moins, on va voir clair. Hein. Je viens de brancher la lumière de la salle de bain. Bah, ça marche bien aussi, ça va. Hein. Ça marche bien. Ça, c'est mon petit bazar pour faire mes tests. Ouais, c'est cool, ça marche. Bon, et eh bien, la partie toilette, ça marche aussi. Et le couloir arrière, c'est good aussi. Très, très bien. Et lumière centrale avant, ça fonctionne aussi. Ça fait un beau blanc. Ça éclaire beaucoup, beaucoup, tu vois. Donc ça devrait le faire. Allez, je continue. J'ai aussi mis la petite prise pour la télé avec bah, on sait pas encore si ce sera antenne, routeur, machin. Bref, pour la télé, c'est là. Bon, allez, on va tous y ensemble. Alors, si on fait un truc comme ça, normalement. Ah, moi, il y a tout qui s'allume. Pas mal. Moi, j'ai juste pas mis le central parce que j'ai plus assez de place sur mon machin. Mais tout, il fonctionne. Les lumières, la clim, impeccable. Ça fait bizarre, tu montes dans le car et puis il y a de la lumière. C'est bizarre, mais ça fait du bien. Il y a tout qui fonctionne. Bon bah après toutes les lumières qui marchent, je vais essayer la clim. Alors du coup, j'ai fait un petit branchement un peu plus balèze. Alors j'espère que ça va le faire. Et c'est quoi ? Essayer tout de suite, hein. Youpi! Waouh! Putain, ça marche bien, hein. C'est quoi là, 20 degrés? Et putain, c'est froid, hein. Bon, bah...